J'ai un principe. Que je sois au club de gym, dans une relation, dans une discussion, je suis ce qu'on appelle un jusqu'au boutiste. C'est-à-dire que j'aime aller jusqu'au maximum de mon potentiel à chaque fois, de faire de mon mieux en fait, tu vois. Et j'ai un principe ici, notamment au club de gym, c'est que je donne toujours 10% de plus. 10% pour lever des poids, 10% pour faire peut-être un peu plus de cardio, mais 10%. Parce que quand tu fournis 10%, première leçon, c'est que tu apprends des choses sur toi. Et quand tu n'apprends rien sur toi, tu en veux aux autres. Je répète, les gens qui n'apprennent rien sur eux, les gens qui sont mal dans leur vie, mal dans leur peau, vont s'en prendre aux autres. Quelle que soit la raison, ils vont s'en prendre aux autres. Personne n'en veut à un autre être humain quand il est bien dans sa peau. Personne ne se préoccupe des autres quand tout va bien dans sa vie. Vous comprenez ou pas? Enfin, ne se préoccupe des autres de façon négative. Je te dis un truc. La deuxième des choses que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est que je crois profondément, c'est un gros mot, hein, je crois profondément que nous sommes des êtres, que l'être humain est holistique. C'est-à-dire que si ça va mal dans un département de ta vie, tu ne peux pas être heureux. Voilà pourquoi dans le West, le Weekend Spark, on va vivre fin mars à Montréal et fin avril à Paris, on va brosser tous les départements de notre vie. C'est-à-dire on va avoir santé, affaires, carrière, augmenter ses finances. C'est important d'augmenter ses revenus un petit peu ou beaucoup, ça dépend de toi. Mais aussi d'augmenter sa santé, son bien-être, d'enrichir ses relations. Parce que la plupart d'entre vous, vous avez des relations délétères, toxiques avec les autres, ou problématiques. Trop de désaccords, trop de conflits, trop de luttes intestines. C'est ça qu'on va voir en 3 jours. Et je crois profondément... Oh, c'est moi. C'est moi. Je crois profondément que... Si tu affectes un département de ta vie, tu entends ce que je dis? Si tu arrives à te booster, à te pousser, à te dépasser dans un seul département, boum! Ça va faire boule de neige. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va faire boule de neige. Si tu te dépasses, par exemple, tu vois, ici, et il y a fort à parier que tu fasses la même chose pour tes clients dans une heure, passer peut-être 10% d'appels en plus. Si tu es chercheur d'emploi, ton travail, c'est de trouver un emploi. T'es d'accord? Tu cherches un travail? Ben, il faut vraiment que tu cherches un travail. On ne cherche pas un travail si on n'envoie pas 50 CV par jour. Et le reste du temps devant le canapé, à pleurer. Tu comprends? La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et c'est ça que je vais vous dévoiler dans le Weekend Spark, c'est que je vais vous donner des stratégies qui m'ont permis à moi aussi de vivre ma vie. Je suis un fils d'immigré italien. Ensuite, j'ai été un autre immigré, mais en Amérique du Nord. Je vis une partie de l'année à Montréal, une partie de l'année ici en Floride. Je peux travailler où je veux, quand je veux et avec qui je veux. Et j'adore travailler. Et mon style de vie n'est vraiment pas fait pour tout le monde. Parce que travailler 90 heures par semaine, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. J'inclus là-dedans mes séances de sport. Parce que la santé, ça fait partie de mon travail. Sur la scène notamment, dans mes tournées, dans mes voyages, les jet lags, les décalages horaires. Donc ça fait partie de mon travail de rester en forme, en pleine santé. Mais ce que je veux te dire, c'est que si moi j'y suis arrivé, tu peux y arriver toi aussi. On peut tous parvenir à vivre sa définition de la réussite. Sauf que moi, après 20 ans de travail massif et stratégique, j'arrive maintenant à choisir mon style de vie. C'est notamment ici en Floride que j'écris mes livres, mes programmes audio, mes programmes vidéo, mes séminaires, le Weekend Spark. On est en train d'enrichir encore le support pédagogique. Oui, parce qu'on va t'offrir un support pédagogique de 200 pages quand tu vas venir chez nous. Ça ne sera pas juste un carnet de notes. On va vous donner une valeur ajoutée immense. Pourquoi? Parce que peu à peu, si tu veux, j'ai appliqué des stratégies qui m'ont permis aujourd'hui de vivre ma définition de la réussite. Une nouvelle fois, pas d'affront, je ne veux pas être rude pour toi. Peut-être que toi, ce n'est pas du tout ton style de vie. Moi, je suis un fils d'Italien. Ma génétique, c'est le soleil. Donc moi, j'aime être au soleil une partie de l'année. Et puis, le Québec est juste extraordinaire aussi pour vivre en style de vie, pour la famille, pour la nature, la santé. Donc, ce que je veux te dire, c'est que dans ce Weekend Spark, je vais te donner 20 ans de mes recherches en leadership pour vivre ta vie, tes affaires. Et j'espère qu'on aura le bonheur de se retrouver ensemble et de se rencontrer. Mais le message principal de cette vidéo, c'est surtout un, n'oublie pas qu'on est holistique. Quand tu te défonces dans un département, ça vient contaminer positivement tous les autres départements. Donc, trouve un département de ta vie, affaires, carrière, santé, sport, dans lequel tu veux te dépasser. Et ensuite, tu vas profondément réussir à le faire dans d'autres départements. Tu arrives à le faire quelque part, tu le fais dans l'autre. Alors viens l'apprendre chez nous, au Weekend Spark ou ailleurs, mais fais en sorte de découvrir ces stratégies pour toi aussi vivre ta vie. Peut-être pas dans une heure, peut-être dans 20 ans, mais tu vas y arriver. Comme moi, tu vas y arriver.
week-end pour mettre en place, une fin de semaine pour créer l'étincelle et faire en sorte que tu sois inarrêtable. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse? Oui, oui ou non? Julien, alors, pourquoi tu es là? Je suis de retour parce que déjà, tu m'as vachement apporté l'an dernier. J'ai été transformé en l'espace de quelques mois et rien que d'y repenser, ça me fait tout bizarre. Un applaudissement. Et grâce à toi, en l'espace d'un an, je suis passé de chômeur à deux tafs, dans des milieux qui me passionnent, de colocation à mon studio dans Paris. Come on! Merci! Waouh! C'est. Waouh! C'est fourette. L'événement, les gens, l'énergie, l'enthousiasme, les connaissances qu'ils partagent, le livre de Wes, qui est une Bible à suivre à tous les jours quand tu la possèdes. Le fait de rencontrer des personnes des invités surprises. Juste le fait d'être entouré pendant 3 jours avec des personnes inconnues, puis à la fin, vous vous serrez toutes dans vos bras. C'est comme, c'est l'harmonie, c'est ce qu'on veut, tu sais. Le monde n'est pas fait pour se détester, le monde est fait pour se réunir. Puis c'est vraiment ça, Weekend Spark. Tu te réunis, tu découvres ta personne, tu découvres qui t'es vraiment, tu sais. Parce que on vit dans une société que les gens ont peur de se montrer devant le public, mais techniquement, quand on se montre devant le public, on se sent bien. Puis c'est vraiment ce que j'ai découvert au Weekend Spark. C'est venu me chercher, puis les connaissances vont toujours me suivre. Ce livre-là, ça vaut des millions de dollars. Ça vaut plus que des millions de dollars. Je le recommande. Après que tu sors de là, t'as juste le goût de parler aux gens, puis t'es plus gêné, il n'y a plus rien qui t'arrête. Mais je suis en train de me révéler à moi-même et je me rends compte que le sourire que j'ai à l'intérieur qui se cache depuis toujours, ben, il est là à fond. C'est pas de la magie parce qu'on est là, on fait le coaching, on est présent, on se donne à fond. Et puis tous les partages avec l'énergie, on embrasse les autres, on dit merci, on se rencontre, on se regarde sans jugement, on enlève les masques, c'est vraiment ça. Je suis vide. Je me sens vide. Et j'ai vécu les choses. C'est même pas du 110%, je crois que je me suis jamais sentie aussi vivante. J'ai ressenti chez lui un amour réel et vraiment une compassion réelle. Et donc j'ai vraiment ressenti la main de Franck m'accompagner dans ma souffrance pour me relever. Dès le début, il vous attrape. Et il vous lâche pas. La voix et le charisme de Franck Nicolas m'a transcendé. De le rencontrer, ça m'a fait quand même quelque chose. Et puis ça fait un cap parce que oser s'approcher d'une star, parce que c'est ce qu'il est, un peu comme presque une rock star. Ah, il faut absolument être en immersion avec cette énergie. C'est incroyable. On sort de là avec une telle motivation et tel enthousiasme. Mais en fait, la magie, on l'a créé nous grâce à ce que nous donne Franck. C'est dingue, c'est-à-dire qu'on prend cette énergie et c'est extrêmement bon et positif. Franck Nicolas est quelqu'un d'excessivement authentique. Qui aime son public, qui aime ses fans et ses élèves et ça franchement ça fait plaisir, ça donne de l'énergie. On est tous là pour un même objectif. Le résultat était flagrant. On se rend compte à quel point ça change complètement la donne d'être ouvert, d'aller vers les autres et puis de sourire aux opportunités. J'ai à nouveau le côté leadership en moi. C'est vraiment une énergie chaleureuse, une énergie d'entraide, bienveillante. Et puis on tombe vite accro de cette énergie. Franck Nicolas apporte cette lumière, cette visibilité et surtout ce dynamisme, cette énergie. Toutes les personnes qui ont envie de rencontrer Franck pour avoir ce déclic, c'est vraiment le lieu où il faut aller. Et j'ai repris toutes les clés professionnelles pour pouvoir me dire là c'est bon, t'es prête, t'as confiance en toi,
t'es prête à accomplir et à montrer ce que tu vaux. Et c'est un artiste, Franck Nicolas. C'est la possibilité de se retrouver dans une atmosphère positive, pleine d'énergie, et pour pouvoir justement trouver les bons outils, pour trouver en soi les moteurs, les déclics qui vont nous permettre justement d'avoir un niveau d'engagement supérieur et de pouvoir affronter tous nos défis, que ce soit personnel, professionnel. Je ne peux que le recommander et je trouve ça très, très motivant. C'est ressortir avec une énergie débordante, ce qui m'est arrivé. Et je recommande vivement à tous les francophones, Franck Nicolas. Pour qu'ils comprennent que tout est réalisable dans la vie et que même leurs rêves les plus intimes peuvent être réalisés avec un petit peu de courage et un petit peu d'énergie. J'ai comme l'impression que je ne vis pas ma vie. J'ai beaucoup d'énergie dans ma tête, mais mon corps ne suit plus. Et à cause de mon jeune âge, j'ai du mal à passer le stade de l'entreprise. J'ai l'impression d'avoir jamais eu ma place. Comment est-ce que je pourrais faire pour y arriver ?